Macré Rally qui est devenu tout simplement Dirt aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La F1 aussi qu'ils ont repris il y a quelques années en 2010, qui est juste super depuis qu'ils l'ont. Parce que un bon jeu d'F1, moi je trouve que depuis que Bizarre Creation n'était plus à la tête de ça, bon, je vous parle il y a longtemps, puisque c'était Formula 197 sur PlayStation 1, ben pour moi il y avait plus le niveau. Donc alors c'est parti. Et ben voilà, on commence. Donc première chose, c'est le moteur que l'on connaît. Voilà, ça commence sur les chapeaux de roue en touring, en plus quand même bien. Ah, on tape un peu dedans. Donc je disais, c'est comme on connaît, donc c'est le moteur qui a fait ses preuves sur Dirt et compagnie. Après c'est vrai que ça pique un petit peu plus aux yeux maintenant, même si ça peut paraître, voilà, parce que moi j'ai dû tourner depuis des titres comme Forza Motorsport, donc fatalement ça n'aide pas beaucoup, mais ça reste très propre, hein. Un petit peu d'aliasing par-ci par-là, mais ça reste propre. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que l'IA, quand elle peut, elle te bourre dedans, en fait, tout simplement. Tu veux passer, tu veux essayer de faire quoi que ce soit, elle va pas chercher j'ai raté mon freinage. Elle va surtout chercher, voilà, le combat, ou l'habituel flashback de chez Godmaster. Donc elle va surtout chercher ça, regardez, voilà, il ne regarde même pas, vous tournez, trotte dedans, voilà, tu passeras pas. C'est aussi simple que ça. Au niveau de la conduite, c'est vrai que je n'aime pas trop les analogiques de Sony de la PS3. Heureusement, ils se sont améliorés sur la PS4. Mais bon, voilà, je les trouve un peu moins précis et on retrouve moins de sensations que sur une manette Xbox, par exemple. Même si le volant reste la valeur sûre, et à mon avis, les propriétaires de G27 et consorts vont être aux anges de pouvoir encore rentabiliser leur excellent volant, parce que je vais pas vous cacher que là, oui, pour ce genre de titre là, c'est plus immersif de jouer au volant. Alors on est fort à la queue leu, on n'est pas très loin tous l'un des autres, mais puisque tu veux me rentrer dedans, ben on va jouer à ça, mon coco, t'inquiète pas. Alors cette course est donc conduite un peu arcade, parce que c'est quand même facile de profiter de l'herbe ou de couper ou que sais-je, on patine pas trop. Après c'est peut-être une mise en jambe avant la carrière, donc ici c'est plus une course pour se mettre d'accord. On roule tous avec des Audi comme vous le remarquez. Par contre c'est vrai qu'elle part facilement dans les virages, pour freiner c'est un peu moins évident, mais on va essayer de monter au moins sur le podium pour cette première course. Flashback, là je suis, mais c'est toujours ce virage là en plus, hein. J'ai du mal à faire, voilà, la voiture part beaucoup de la gauche, de l'arrière gauche, et fatalement j'ai un peu du mal dans les freinages, mais je vais essayer de faire l'extérieur à ce coco. Voilà, il va me fermer la porte évidemment, mais sans se préoccuper que éventuellement mon capot serait à la hauteur déjà de sa fenêtre, hein, donc ça il s'en fout, hein. Donc, on s'en fout, on y va. Hop. Moi je veux le podium et c'est tout. Oh, j'ai voulu éviter leur collision et voilà. Deux voitures fort similaires. Aspiration, on va essayer d'en profiter. On a encore quelques mètres pour essayer de faire. Ah, pardon. Là c'est moi. Et vous voyez ici, je ne suis pas ralenti, j'en profite, alors je continue mon élan. Ah, le salaud. Le salaud. Il m'a eu, j'aurais pu jouer la deuxième place. Bah, je vais quand même essayer ici. Rentre-toi dans les tiers, ramasse. Non, bah écoutez, je vais essayer un flashback parce que j'ai envie de faire le salaud. J'ai quand même pas envie de finir troisième. J'ai dit que je voulais un podium, mais merde. Il faut un petit peu aussi, des fois, provoquer les choses. Et j'y arrive pas. Par contre, ce que vous remarquez, déjà, c'est la première chose, c'est qu'on a plus un nombre limité de flashbacks. Comme dans la plupart des jeux Godmasters, ici apparemment on peut le faire tant qu'on veut, un peu à la manière de Forza en fait, ils ont voulu sûrement copier ça, le fait du flashback just unlimited. Alors la première place ou pas la première place, possible ou pas possible, c'est quoi, crève dans ta misère. J'ai essayé de tricher, vous avez remarqué, j'ai essayé vraiment de jouer comme un cochon. Non, je vais refaire ça correctement, d'accord. Ouais, fait. Comment correctement quand même. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça?
je vais lui laisser la première place parce qu'il l'a mérité et que moi de toute façon j'ai mal roulé. Mais une bonne deuxième place pour commencer. Rien de tel. Non, pas d'aspiration. Voilà. Bah, c'est prenant, hein. You've just seen a glimpse of what awaits you. And now, you're about to take the first steps in your motorsports career. Alors, évidemment, le jeu est en anglais, vous l'aurez remarqué, mais c'est obligatoire, c'est sous debug, j'ai que ça. Hein. On n'a pas encore le choix de la langue, n'exagérons rien. But first, you'll have to race for increasingly more demanding and prestigious teams through the proving grounds of ever tougher championships spanning five single disciplines across touring, open wheel, endurance, tuner, and street racing. Welcome to the ultimate motorsports challenge. Welcome to Grid Autosport. Alors bon, ben vous le voyez, c'est pas Grid 3, c'est Grid Autosport. Parce que voilà, c'est comme ça. Alors j'espère quand même que le prochain F1, parce qu'à mon avis on va se taper F1 en 7 ans comme chaque année, ce qui m'étonne qu'il ne soit déjà pas annoncé, parce que d'habitude à l'époque où je vous parle, ben, c'est annoncé. Et peut-être qu'ils font la surprise à l'E3 et qu'on va enfin avoir une version next-gen. Ouais, ça va être cool. Enfin, moi c'est ce que je pense. Alors, je m'appelle Tony. Et je vais mettre évidemment CN espace. Ah! Play. Age. Bah, bien sûr. Et la nationalité, je ne vais sûrement pas mentir. Je suis belge, je suis fier de l'être. Male names. Ah ouais. Ils vont peut-être dire Anthony. Adam. XP is what you need to earn in order to progress through the disciplines. Okay, donc voilà, on va rester dans Limited, Flashback. Ah, bah là on peut choisir, mais bon, je m'en fous, c'est une version debug, donc on va en max. En automatique, ABS on, traction contre Loken. Voilà. Voilà, on va mettre ça. Je ne veux pas jouer. Bon, voilà, je n'ai pas les accessoires adéquats. Donc, je ne veux pas jouer en manuel et commencer à m'emmerder, etc. Donc, on a des offres dans différentes disciplines. Je vais peut-être, pour mon niveau, aller en street, voir ce qui se passe. Voilà, ça, c'est bien mon truc. Contending with obscured lines of sight, varying road widths and changes in track surface, meaning every overtake is a gamble. Choose your spot wisely and get the edge. The action here is close and intense as you race in tuned production vehicles ranging from hot hatches to hypercars. These are your available championships. Bon, on peut commencer avec Alpine Star, donc on va le faire. Before you accept an offer from a team, tab through the details for the season ahead to make an informed decision. Alors voilà, bah c'est ce que j'aime, c'est d'être tenu par la main, d'être dirigé vers une course, vers une voiture adéquate, etc. Et pas me prendre la tête. Et c'est ce que j'aime avec les jeux de chez Codemasters aussi. Et pour ça que je prends toujours autant mon pied. Ah ben voilà, il y avait quand même déjà les trophées. C'est fou ça. Ça c'est fou. Tu m'en diras un temps. Allez, la course du dimanche, Asura. Je roule avec quoi moi? Avec une Golf 6 Airline. J'avais une Golf 6 avant, j'ai une Golf 7 maintenant, mais une Airline c'est toujours beau. Par contre voilà, je préfère une caméra un peu plus. Je vais toutes les essayer pour voir un peu, voilà. On a quand même une vue intérieure, mais une lunette terrible. Ça c'est une caméra comme je préfère. Une vue un petit peu plus éloignée pour avoir un meilleur regard sur ce qui se passe devant. Bien que là, c'est plus du stock car qu'autre chose. Avec les circuits de vélo aussi, j'ai pris goût à ce genre de course, etc. Avec un titre merveilleux auquel je joue encore aujourd'hui et qui malheureusement n'a pas connu de
de suite, malgré un épisode sorti en 2007 merveilleux, c'est Projet Gotham Racing 4. Alors j'ai joué à tous les projets Gotham Racing, donc j'ai un petit fait pour le 2 et le 4. Ils vont de pair, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que depuis, la création n'existe plus, etc. Mais je regrette que Microsoft, qui a fait un excellent Forza Horizon pour un petit peu rester sur la marque Forza, n'ait jamais eu l'idée de relancer Projet Gotham Racing, parce que c'est quand même un jeu du lancement de la toute première Xbox, qu'il est revenu au lancement de la 360. Il y a eu deux épisodes merveilleux sur Xbox première du nom, deux épisodes merveilleux sur Xbox 360, mais le dernier épisode date quand même de 2007. Aujourd'hui, on est 7 ans plus tard et il n'y a rien. Donc c'est décevant. Et je pense que malheureusement, il faut bien se mettre à l'idée que vu le succès de Forza, l'image de la marque Forza, etc., ils ont plus de chances de vendre un jeu et l'appeler Forza Horizon, le rendre un petit peu plus arcade, etc., que de retourner avec Project Gotham, bien que les fans comme moi ne demandent pas mieux que de revoir le titre. Ça, c'est un sale virage. Ouais. C'est un sale virage que j'ai encore mal pris. Il faut que je freine plus tôt. J'ai voulu trop jouer le dépassement. Et en fait, elle veut revenir à l'intérieur. Regarde-le. Regardez-le, le salaud. Vous savez, j'aime les jeux de voiture, mais voilà, je suis pas professionnel doué. Je l'aime pour le plaisir de se sentir pilote, de se sentir au pouvoir, du challenge, etc. J'adore ce genre de jeu, c'est vrai. Même si, voilà, moi je ne suis pas, je veux pas la précision de la chicane et compagnie. Vous allez certainement mettre une tatane, mais c'est comme ça que je prends mon pied, voilà. Oh le salon, on prend de l'aspiration. J'ai bien lancé la voiture là, ça va. Un peu trop freiné là par contre. Ça va, elle a bien pris le virage à la Corse, ce qui fait qu'il a dû relativement freiner. Et donc je reste à l'avantage. Ah, encore une fois, je me suis fait piéger ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je m'y ferai jamais. C'est pas possible. On devrait peut-être lâcher un petit frein à main là. Mine de rien. La plaque est jolie, hein, Kick. Là, je suis en train de kick. Kicking S. Kicking ass, my name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Ça, c'était la grande époque de Nintendo. C'était pour moi le. C'était grand. Juste le top du top. Je fais un bon tour là. Je commence un petit peu à distancer le deuxième. Mais les gâchettes pour accélérer de chez Sony sont quand même désagréables vers le bas. J'ai mes doigts qui glissent, j'ai un peu du mal. Bon, c'est déjà mieux ici. Mais voyez ici, c'est là que je perds un peu de temps. Et voilà, je vais finir premier, pour ma vraie course de championnat à moi, début de ma carrière, sous les applaudissements.